Salut à tous, et ben ça y est, on est sur le GR 400, départ, le bon départ, et ça commence par une belle petite côte, assez sympa, on s'est restauré juste avant, et là, on grimpe, paisiblement, on va essayer de marcher que 4 heures, parce qu'on vient d'arriver, essayer de se trouver un petit campement sympa après ça. On s'est pris deux petits sandwichs dans un petit bar assez agréable. Je vous poserai les photos pour vous montrer ce qui était avec un très bon accueil. Et puis on va peut-être en prendre plein les yeux. Ça l'ancien ? Bien. T'en chies un peu là ? Chaud, ouais. Allez, continue à ce rythme là et ça ira. On est où là ? Hein ? On est où ? À côté du mouton. Ouais, on est sur quel GR ? GR 400. Allez, on continue. Les premières montées sont toujours difficiles, le temps de se mettre en jambes. Et c'est la première fois pour l'ancien hors entraînement. Alors je lui ai posé des questions simples pour juger son état de lucidité pendant l'effort. À chaque petit arrêt, on en profite pour admirer d'où l'on vient, mais pas trop longtemps, car on doit encore monter. Fais des petits pas, et là, faut surtout pas que tu t'arrêtes là. En effet, s'il s'arrête maintenant en plein effort, il repartira difficilement. Parce que là, vous ne vous en rendez pas compte, mais la pente est raide. La petite technique que je lui ai conseillée est de faire de petits pas, parce que ça réduit l'envergure entre les jambes, ça évite les trop fortes poussées et de s'épuiser inutilement. On arrive sur notre point de bivouac. Alors j'étudie l'emplacement pour déterminer où nous allons pouvoir planter notre tente. Il faut éviter les couloirs de vent et les créations de petits ruisseaux qui peuvent se faire en cas de forte pluie. Assez vite, nous sommes rejoints par un berger de la Molède. Il est là, à appeler ses moutons au loin pour les regrouper. On est resté un petit bout de temps avec lui, un homme fort agréable avec qui on a bien bavardé. On a pris le temps de prendre notre repas. Maintenant, il faut monter le bivouac, parce que demain, on se lève de bonne heure pour partir à la frontale. C'est le deuxième jour. C'est un moment que j'adore partir le matin comme ça à la frontale. On voit la nature se réveiller et le jour se lever vite. Sur les parcours, on passe souvent des barrières. Il y a une règle à respecter, toujours les fermer derrière soi. Parce que sur ces terres, on est des invités. On va partir là, comme ça. Là. Voilà, on va monter, on va faire le zigzag, comme ça, là, ici. Pour reprendre là, on va arriver... J'ai prévu de faire un hors-parcours, sortir du GR 400 pour prendre mon propre chemin. Et ça, l'ancien, il ne le sait pas. Il va alors découvrir les techniques pour monter une montagne en S. Alors je lui explique les trajectoires, comment on va passer et par où. Pendant mon explication, je l'observe et je sens une inquiétude chez lui. Mais il s'est entraîné, il en est capable. Quelle satisfaction d'arriver en haut de la première partie, d'avoir grimpé par son propre chemin et d'observer ce beau paysage. On est de retour sur le GR 400. Je me réjouis toujours de me retrouver au-dessus des nuages. Et là, j'ai la joie de partager ce moment avec l'ancien. Doucement, mais sûrement, il avance bien. Il sait que le but n'est pas la rapidité, mais la longévité. Tenir dans le temps pour faire le plus de chemin.
J'ai toujours plus de facilité à monter qu'à descendre. Ce qui me motive, la découverte de ce qui nous attend au-dessus. Et généralement, on n'est jamais déçu. Ça n'en finit pas de monter, mais ça n'en finit pas d'admirer. Où ça? Là, le village en creux, là, voyez? Vous voyez, monsieur, le village en creux? Eh ben, hier, on y était! Voir cette satisfaction sur le visage de l'ancien, et pour moi une première réussite. Juste là-bas. Il n'en revient pas d'être parti de si bas pour arriver à cette hauteur. Et là, on vient de grimper tout ça. Bon alors, tes impressions? Je vais vous dire franchement, elle est pas belle la vie. Comment ne pas se sentir bien avec cette belle vue sur les monts du Cantal et ce petit lac en contrebas? On est arrivé à un moment qui m'est assez important. J'ai repéré le lieu pour mon petit rituel. Le pas empressé, je grimpe. J'avance. J'évolue. Je me rapproche. Et là, je remercie la nature et la vie de m'offrir cet instant magique. Je suis un homme libre. Après cet instant d'envol, il faut reprendre le chemin. Et là, on grimpe des échelles ancrées dans la roche. Vous vous souvenez quand j'ai dit « on grimpe, mais derrière il y a toujours un bon moment ». Eh bien là, en voilà encore un. Ces rayons de soleil sont bien réels, ce n'est pas un effet de lentille, et c'est vraiment merveilleux. L'ancien n'en revient toujours pas d'être parti d'aussi bas. On arrive bientôt en haut de notre premier objectif. Cette sensation de découverte ne nous quitte plus. Chaque pas est une surprise sur la vue que l'on va avoir. Si je t'avais dit que tu serais monté à 1812 mètres, est-ce que tu m'aurais cru? Impossible! Est-ce que tu es content de l'avoir fait? 72 ans et encore en haut des montagnes. Qu'est-ce que tu as éprouvé? Du plaisir, dur à monter, mais du plaisir à arriver en haut. Et tu penses que
Pour Compostelle, tu seras prêt ? Oula ! À gravir les montagnes. Vous vous souvenez de l'inquiétude que j'ai vue sur le visage de l'ancien quand on était en bas ? Elle est là. J'ai oublié qu'il avait le vertige. Là, ce qui nous protège, c'est le caillou qui est juste devant nous. Ouais. En effet, le temps commence à changer et les nuages à se lever. Allez, on enchaîne. Ne perdons pas de temps. Il faut avancer pour ne pas se retrouver coincé dans les nuages. On y est. Vous entendez cette satisfaction? On y est. Le premier objectif est atteint. Les nuages nous entourent de plus en plus. Cette joie d'être arrivés tous les deux nous submerge. À ce moment-là, cette chanson résonne dans ma tête, accompagnée du ballet des faucons. Est-ce un message ? Au-delà des montagnes embrumées, non loin des sombres cavernes du passé, dans l'aube bleutée, il faut aller en quête de l'or, aller enchanter. Les pins rugissaient, oh, et viennent, les vents gémissaient. Le GR400, c'est aussi ça, traverser depuis un bon bout de temps toutes les espèces de plaines, de prairies. C'est agréable, hein. On traverse le plancher des vaches, quoi. Ça monte, ça descend. Et là, c'est un peu la course aux nuages, parce que si on regarde là derrière comment c'est, si j'avais traîné, enfin si on avait traîné, et ben on serait en plein dedans. Et là on a accéléré au bon moment pour réussir à éviter tout ça, mais ça arrive de partout, ça tourne pas mal quand même. Allez, on continue. On est au troisième jour. La nuit était difficile, on a pris l'orage. Le sol est bien mouillé et ça glisse, puis on arrive sur cette petite cascade. L'environnement change complètement de la veille. On est dans les bois et c'est merveilleux. Sommes-nous encore en France ? On se croirait en Amazonie. Puis nous arrivons dans un petit village se nommant La Goutte. Nous sommes aussi passés par Thiézac, où une décision difficile a dû être prise, mais je vous en parlerai plus tard. Hier, on était là-bas, tout en haut.
On a fait toute l'arête comme ça de celui-là. Là, je viens de regrimper de tout en bas. Je suis tout seul. L'ancien a eu des problèmes de digestion. Pourtant, je lui avais dit, hein, la marmotte crue, c'est pas très bon. Hein, il aurait dû la faire cuire. Et c'est super bien débrouillé. Et je vais le finir pour lui. Je vais essayer de rattraper tout le retard qu'il y a, hein, du coup, parce qu'on a dû redescendre au village. Je vais lui faire prendre un taxi. Un petit message pour toi, l'ancien. T'as été fort. T'as été très fort. Bon, vu que j'ai pris l'orage cette nuit, que tout est trempé, hein, la toile de tente, tout ça, et ben là, il est 13h à peu près. Il y a un super soleil. Je sais que généralement, l'après-midi, ça a tendance à se gâter. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ben, j'en profite. Voilà, pour faire sécher la toile de tente. Et à côté de ça, ben là, j'ai pas de point d'eau. Mais si j'avais eu un point d'eau, je lavais mes fringues et je les faisais sécher. Le plus important, c'est la toile de tente, c'est le couchage. Donc ça, je le fais sécher. Les fringues, et ben, au pire, je pue. Et puis c'est tout. L'ancien a marché avec un grand courage malgré un mal de ventre terrible et une perte de poids de 5 kg en 3 jours. Mais je continue comme on l'a décidé sur ce petit sentier avec cette vue sur les monts du Cantal. Le temps commence à tourner. Au pire des cas, j'ai une solution de repli. Seul, je marche sur ce petit sentier qui m'offre une sublime vue sur les monts du Cantal. J'ai une vue de malade ici. On est mercredi. Donc c'est le troisième jour. Et ben j'ai trouvé un petit abri sympa où mettre la toile. Hein. Je suis juste sous un arbre. On va voir ce que ça donne. C'est, j'en ai marre de prendre trop de flotte. J'espère qu'il va pas y avoir d'orage parce que sinon je vais faire part à foudre. Bon, on verra bien. Mais normalement c'est tranquille. Là je suis au niveau d'un parc. Ça devrait le faire. Une bonne journée assez éprouvante parce que bah, l'ancien a dû rentrer parce qu'il était malade. Mais je vais continuer pour lui, comme je l'ai dit. Et là, je vais aller me coucher parce que demain, je me réveille de bonne heure pour partir à la frontale. En espérant que ce soit pas trempé comme ce matin. Allez, tchuss. On est au quatrième jour. Des bruits étranges viennent de me réveiller. Alors je décide de sortir pour voir de quoi il s'agit. Voilà dans quoi je me réveille. Il y a eu une cavalcade. Je sais pas si c'était des mouflons ou autre. J'ai essayé de sortir rapidement de la toile de tente parce qu'ils sont vraiment passés pas loin. Je sais pas du tout par où ils sont passés. Avec toute cette brume là. Et j'avais entendu un bruit là-dedans, là, comme si il y en avait qui s'était cassé la tronche en bas. A priori, il n'y a rien. C'était dans le coin. Hein. En tout cas, c'est juste l'eau des arbres qui retombe. Je pensais qu'il pleuvait encore. Je vais pouvoir plier
et prendre le chemin. Disparu. On essaie de remonter un hein. Je pense que ménage des connes. Allez, je vais plier mes affaires et je vais prendre la route. Cool. Faire des blagues seul face à la caméra est un bon moyen pour se divertir. Parce que là, le mauvais temps est de plus en plus présent et il faut tenir. Bon, avec ma chance légendaire. J'arrête pas de voir des locaux hein, qui reviennent de randonnée, mais eux à la journée. La toile de tente a du mal à sécher, il fait de plus en plus froid. Donc là aujourd'hui ça va être tranquille. Je vais essayer d'occuper un peu mon temps, de bien étudier mon trajet pour le connaître par cœur. J'ai ma carte IGN, heureusement. Donc demain, une grosse aventure. Pour pas changer hein, encore une fois, mais bon, on est en vie et ça c'est cool. On est au cinquième jour et un grand défi m'attend, traverser la tempête qui approche dans des conditions spéciales, parce qu'en effet je ne suis pas équipé pour faire face à la neige. Je sais pas si on m'entend bien, j'ai pris la pluie. J'ai bien transpiré à grimper. Maintenant, je suis dans le froid avec la neige. Je sais que comme j'ai transpiré en dessous, je suis un peu mouillé. Il faut surtout pas que je m'arrête parce que mon corps doit rester chaud. Sinon, je vais geler. La transpiration doit rester à l'état de vapeur. Tout le monde sait bien que l'eau se transforme en glace. La visibilité se réduit de plus en plus. Je suis seul au milieu de rien, seul face à la nature qui décidera de mon sort. Mais ça reste un moment extraordinaire. Aujourd'hui, je suis le premier à laisser mes empreintes sur cette neige. Arrivé au Griou, les nuages m'ont avalé. Et un autre élément fait son apparition. C'est le vent qui cherche à me plaquer tellement qu'il souffle fort. Mais je dois passer ce grand pierrier. Rester concentré, regarder par où je dois passer et où je pose les pieds, deviennent ma priorité. Mais souvent, je dois m'accroupir pour laisser passer de grandes bourrasques de vent. À chaque fois, il m'arrive de ces trucs. C'est... Ouais, je kiffe ça. Voilà. Répondrez, vous me direz si à vous aussi il vous arrive des. Ouais, même la caméra elle veut plus. Eh, ma tête elle est là. La stabilisation de la caméra ne tient pas face au vent et tourne un peu n'importe où. Je suis de nouveau obligé de progresser accroupi. Je redescends du Griou et je constate au loin que la neige jonche les sommets par où je devrais passer. Ce petit chemin m'offre un moment de récupération et de réflexion sur la stratégie que je vais employer pour affronter le mauvais temps et passer ces sommets enneigés. Donc voilà où je dois aller. Le téton de Vénus. Vous vous rappelez quand je vous ai dit il va falloir que je passe de l'autre côté, regardez en face. Et ben ça y est, j'y suis. Et juste là, ici, en face, on voit rien.
parce que je suis en pleine tempête. Eh ouais. Allez, on continue. On s'arrête pas. Parce qu'on monte à peine et ça souffle un truc de fou. Je suis au pied du bec de l'aigle et en pleine tempête. Là, l'inquiétude fait une brève apparition. Alors on se motive. Et là, je vais plus voir le tracé parce que je rentre carrément dans les nuages. Je suis Arnaud Limite et je connais très bien ces moments et mes capacités. Allez, le défi, c'est de tout finir. Et ça, l'ancien, je le fais pour toi. Donc, comme je dis ça, je le termine pour toi, l'ancien. Mais il y a une chose très importante pour moi aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Elle a vécu énormément de choses dans sa vie. Elle a mené beaucoup de combats. Cette journée, je te la dédie. Elle est pour toi. Toi qui adores la montagne, qui aimes le Cantal aussi. Et bah ça, c'est pour toi. Bon anniversaire. Voilà ce qui me fait tenir et ce qui me donne la force de toujours aller plus loin. Pour les combats de nos ancêtres qui sans eux nous serions que poussière. Bon, je préfère filmer maintenant parce que je sais pas si vous voyez derrière là, ça c'est la pointe, hein, enfin c'est une des pointes qu'on voyait d'en bas. Je pensais pas que j'allais me le faire grimper et regardez là, là c'est le sommet de l'autre identique et je dois passer là au milieu et je récupère le GR400 normalement. Et on trace. Et ben je vous dis que le vent se lève, je vois trop ici. Et ben je vous dis que la voiture, ce sera stop et fin, je pense. On fera pas de boucle. Parce qu'aujourd'hui, je morfle sévère. Et ben ça y est, je suis à la pointe. Je suis arrivé à la pointe du bec de l'aigle. Il m'a fait escalader jusqu'en haut. Et le parcours continue par là-bas. Ça va être assez périlleux. Me voilà en pleine tempête. Le micro sature. Le vent et la neige fouettent mon visage et me ballottent dans tous les sens. J'ai réussi à passer une zone très compliquée en partant du sommet du bec de l'aigle. J'ai dû avancer à plat ventre et à quatre pattes tellement que le vent soufflait fort. Et hors de question d'attendre une accalmie, sinon le froid m'aurait emporté. Le courage a pris l'ascendant sur la peur. Alors j'ai examiné le terrain, jaugé mes capacités mentales et physiques et j'ai continué d'avancer. Voilà ce que j'essayais d'expliquer face à la caméra. Plus j'avance et plus le temps s'acharne, le pire reste-t-il à venir? La caméra est mon seul compagnon, et le froid atteint les nerfs de mon visage et de ma main gauche sans que je m'en rende compte. Se remet à tomber. Je suis obligé de le filmer parce qu'on va jamais me croire. Je suis sur retour. Il doit me rester 5 km à faire. J'aurais mis énormément de temps parce qu'il a fallu que je m'abrite, que je me couche. Ma voix est tremblante. Le froid a glacé mon côté gauche et la neige tombe à l'horizontale tellement que le vent souffle. Une lueur d'espoir est face à moi. Au loin, je vois mon point d'arrivée final. J'étais tout là-bas. Je me retourne et je vois d'où je viens. C'est la dernière ligne droite. La nuit tombe, m'offrant un magnifique coucher de soleil. La satisfaction d'avoir bravé ces éléments et d'arriver sur la fin me submerge. Des épreuves et des moments de passé que l'on ne pourra pas me voler.
Voilà, pour pas changer, je termine à la frontale. C'était un super périple. Je suis exténué. Dans un kilomètre, j'arrive. Et j'ai fait des belles vidéos, comme je dis toujours. Mais là, le plus beau, il reste vraiment ancré dans ma mémoire.